Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 17 décembre. Et parmi les titres développés ce soir sur TV7, le procès opposant l'interprofession viticole bordelaise et l'association anti-phyto s'est déroulé ce jeudi après-midi à Libourne. Des coquilles d'huîtres pour combler d'anciennes carrières, c'est l'expérimentation menée en ce moment par le département de la Gironde. Enfin ce soir, préparation des fêtes de fin d'année autour d'une recette de foie gras. La météo pour ce vendredi, le ciel sera couvert durant la matinée sur la Nouvelle-Aquitaine avant que le soleil reprenne place dominante parmi quelques nuages. Il fera entre 10 et 15 degrés pour les maximales sur la région. Un procès médiatique à Libourne, en Gironde, celui de l'affaire opposant une partie du monde du vin bordelais et l'association Alerte aux Toxiques se tenait donc ce jeudi. La plainte du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux vise la publication par l'association de résultats d'analyse remettant en question le label HVE, haute qualité environnementale. Une vingtaine de bouteilles de vin sont ainsi ciblées sur la rive gauche bordelaise. L'interprofession estime que les propos diffusés étaient dénigrants à l'égard des vins de Bordeaux. Le CIVB demande 100 000 euros de dommages et intérêts. C'est une des raisons qui m'a poussée à publier ces résultats d'analyse, c'est informer le consommateur. Ne vous laissez pas avoir par ce petit logo et ce marketing verdissant. C'est la première fois qu'on fait analyser autant de bouteilles. Et là, on a touché des grands crus classés. On a touché HVE, le fer de lance du CIVB. Voilà pourquoi. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui d'être aussi lanceuse d'alerte. Et c'est ça qui me vaut aujourd'hui de valoir plus de 100 000 euros. L'interprétation des analyses faites, demandées, commandées par Alerte Toxique est fausse. L'interprétation est fausse. Quand on est entre 60 fois et 5 000 fois en dessous des limites autorisées par la réglementation française, on est 60 fois à 5 000 fois en dessous de la règle. Donc dire que ces vins sont dangereux, c'est du dénigrement. Et délibéré de l'affaire le 25 février 2021. Manifestation à Bordeaux de la fonction publique ce jeudi à l'appel de la CGT. Une petite cinquantaine de manifestants s'est donc mobilisée place Péberlan pour dénoncer les dernières réformes et les transferts notamment d'activités du public vers le privé. Le deuxième confinement a fortement impacté le commerce à Bordeaux. Les chiffres de fréquentation du centre-ville de la capitale girondine inquiètent la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. En cette période de fête, notamment, le trafic piétonnier a chuté de 77% en novembre, soit 9,4 millions de passages en moins. Pour Patrick Seguin, le président de la CCI, les manifestations à répétition ont créé un climat anxiogène que nous devons combattre. Ce sont ces mots. La désaffection du centre-ville se confirme enquête après enquête. La CCI qui souhaite agir vite et bien avec une surveillance permanente des indicateurs économiques. Et de son côté, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a voté aujourd'hui en assemblée plénière à Bordeaux une aide exceptionnelle supplémentaire de 4 millions d'euros au secteur d'activité du tourisme. Le tourisme qui représente en Nouvelle-Aquitaine 9% du produit intérieur brut régional et compte 140 000 emplois. En Dordogne, à présent, le Secours populaire a réalisé une distribution de colis alimentaires à 1 euro, une opération en direction des étudiants de l'université de Périgueux, alors que le restaurant universitaire est fermé. Ils étaient une vingtaine hier à venir chercher leurs colis. C'est végétarien ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Alors, on va. Le chocolat, tu le prends. Hein ? Cette initiative a démarré à partir du confinement, puisque nous avions au départ une antenne à l'intérieur de l'université. Mais ils avaient du mal, ils nous expliquaient que les horaires ne correspondaient pas. Donc on a eu beau mettre en place des horaires le soir, c'était compliqué. Donc on s'est dit, on a un solidaribus, autant en profiter pour amener aux étudiants au plus près d'eux. Puis entre midi et deux en plus, puisqu'ils ont des cours en visio. Du coup, j'ai reçu un mail de l'association et du CROUS me disant que le repas se situait ici, que le repas était à 1 euro, qu'il fallait juste s'inscrire sur Internet. Et du coup, ça m'a intéressé. T'as des rillettes d'esturgeon, tu veux pas goûter ? Tu manges pas de viande ? Si, mais ça va. Ça va. C'est difficile en ce moment parce que par rapport aux examens partiels, le restaurant est fermé, c'était le seul moyen de manger en fait. Du coup, maintenant, on était obligé d'aller assez loin, on devait aller en ville, faire l'aller-retour, du coup, on n'avait pas le temps. Salut. Merci. Bon, okay.
Je trouvais que c'était une belle initiative et puis c'est ouvert à tout le monde, etc. Ça profite. Et c'est vrai que ça nous dépanne. Franchement, ça commence à être assez dur à vivre, une semaine de partiel alors qu'on mange quasiment pas. Tant pis. Apparemment, janvier est aussi confiné. Le restaurant universitaire ne sera pas reparti. Donc, évidemment, on va revenir toutes les semaines pour les étudiants. Voilà, c'est à présent un matériau d'un nouveau genre qui est testé pour combler des carrières en dessous des routes. Les coquilles d'huîtres à Prignac et Marcan, en Gironde, le département les utilise broyées. Un double avantage environnemental, car il permet de réutiliser les déchets ostréicoles, mais aussi et surtout de ne pas puiser dans les ressources naturelles de sable. Cela pourrait représenter une véritable avancée pour l'avenir. Alix Fourcade. Les huîtres, on a l'habitude de les manger, moins de les utiliser pour refaire nos routes. C'est pourtant ce qu'expérimente en ce moment et pour la première fois le département de la Gironde. Du côté de Prignac et Marcan, on comble deux carrières souterraines localisées en dessous d'une route avec du broyat de coquilles, comme l'explique un ingénieur sur place. Effectivement, on comble les carrières souterraines avec un coulis qui est composé d'eau, de sable, de ciment, habituellement. Et ici, on vient remplacer 30% du sable par des coquilles d'huîtres qui ont été concassées. Le procédé représente aussi un avantage environnemental non négligeable. L'intérêt majeur que l'on a, c'est utiliser un autre produit que le sable. Un, ça permet d'éviter d'aller faire des prélèvements de sable dans le milieu naturel. Deuxième élément, ça permet d'avoir une utilisation, une transformation donc de ces déchets coquillés, ce qui rend service à la profession ostréicole qui doit en assurer l'élimination. Sur ce chantier, 25 mètres cubes de coquilles d'huîtres du bassin d'Arcachon ont été utilisés et la méthode pourrait prendre de l'ampleur. C'est quand même assez onéreux, mais en espérant que cette expérience-là soit concluante, on pourra le développer sur plusieurs autres régions, donc faire baisser le coût. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les particuliers sont donc invités à rapporter leurs coquilles d'huîtres pour les valoriser. Des bennes seront à disposition dans 8 déchetteries du bassin d'Arcachon du 19 décembre au 3 janvier prochain. Le département de la Gironde qui lance aussi une expérimentation sur une peinture lumineuse sur la piste cyclable de Lacanau sur une longueur de 800 mètres. Objectif, améliorer la visibilité des cyclistes pour les automobilistes. Nous sommes présents aujourd'hui donc pour des essais de peinture marque-allume, peinture photoluminescente qui capte la lumière le jour et la restitue la nuit. Donc l'intérêt de ces marquages novateurs, c'est donc de pallier à un défaut d'éclairage public et de remplacer donc un investissement très lourd pour aussi bien sur le plan carbone que sur le plan financier, et qui permet donc de sécuriser et de guider les usagers des pistes cyclables la nuit. Donc c'est un marquage, comme vous pouvez le voir, qui est réalisé en trois passes et qui capte donc, c'est des pigments intelligents qui captent la lumière du jour pour la restituer la nuit. Voilà, et un suivi expérimental qui aura lieu au cours des deux prochaines années. Une deuxième expérimentation est aussi en cours en Gironde, à Étolier, depuis le 23 novembre 2020. Cyclisme, toujours presque, ce sera la 20e étape du Tour de France 2021 qui sera en étape à Libourne pour un contre-la-montre entre la sous-préfecture et Saint-Émilion. Le directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, est donc venu ce jeudi inaugurer la ligne de départ et d'arrivée fictive. Bastien Loquet et Baptiste Mouget étaient donc sur place. Contre la montre, à la veille de l'arrivée du Tour de France, on rêve toujours qu'il soit évidemment décisif. C'était donc le cas en septembre dernier à la planche des Belles-Filles. On souhaite évidemment que ce soit le cas là aussi, sur un parcours qui est très différent, qui est un parcours fait pour rouleurs type, qui est vraiment un parcours. Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, ancien coureur du Tour qui a tracé le parcours, dit que ça va rouler à 51-52 de moyenne. Donc ça va aller vraiment très très vite avec pas mal de faux plats, des faux plats qui peuvent être usants, notamment dans les 4 derniers kilomètres, et puis avec ces paysages formidables. Je me souviens d'avoir reçu en 2010 une ribambelle de messages de gens me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Ben, c'est aussi ça le Tour. C'est-à-dire que le décor du Tour de France, c'est le plus beau décor du monde, et ça magnifie encore les exploits des champions. Christian Prudhomme, le Tour ici à Libourne, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt de voir le Tour un petit peu plus loin, à Bordeaux, ville dont le maire est désormais écolo? Bordeaux est une ville historique du Tour de France. Bordeaux est candidate au Tour de France, comme elle l'était sous l'ancienne municipalité. Pierre Remic, le maire, m'a écrit, a pris contact, etc. Et j'espère bien que dans le mandat, nous pourrons venir. S'il le souhaite toujours, ce sera avec grand plaisir. Donc aucun...
Autre événement sportif très attendu, mais un peu plus lointain, Paris 2024, avec les Jeux Olympiques qui s'inviteront donc à Bordeaux. La métropole bordelaise est désormais officiellement collectivité hôte du tournoi olympique de football. Elle accueillera au stade Matmut Atlantique du 24 juillet au 10 août 2024 au moins 6 matchs de tournoi féminin et masculin de football, l'événement sportif le plus important au monde. Le territoire métropolitain qui est par ailleurs terre de jeux 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. 10 communes s'engagent à faire vivre le sport et les valeurs olympiques afin de préparer l'arrivée des Jeux en 2024. L'Institut des saveurs de Bordeaux accueille plus de 600 apprentis sur 10 formations allant du CAP au BTM dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie, boucherie, mais aussi charcuterie. Face à l'influence rencontrée par ce secteur de l'apprentissage, l'Institut s'est agrandi pour répondre aux besoins de ces filières dont certaines sont en tension. Il y a un engouement pour les métiers de bouche notamment, hein, même si on manque encore d'apprenants en boucherie, notamment en charcuterie et en boulangerie. Mais bon, hein, c'est la loi aussi du marché. C'est un peu compliqué, le contexte est compliqué, mais on voit qu'il y a quand même des demandes chez les professionnels d'avoir des jeunes. Encore une fois, en boulangerie, en boucherie-charcuterie. Et du coup, bon, j'attends de voir. Mais précisément, c'est vrai qu'il y a quand même ces problématiques de quête de jeunes qui prendraient cette filière. Cette extension, elle avait vraiment un sens parce qu'on a 611 apprenants et qu'on avait besoin d'une salle dédiée notamment à la restauration, mais pas que, hein, où on peut organiser des manifestations professionnelles. Et donc, voilà, et on a 2 salles de cours supplémentaires. Allez, dans notre série toute cette semaine autour de Noël, ce soir un peu de gourmandise à quelques jours du réveillon. Comment réaliser soi-même sa recette de foie gras, cette spécialité régionale? Franck Poirot nous partage la recette d'un chef bordelais. Cuisiner un bon foie gras ne commence pas derrière les fourneaux, mais au marché. Première étape, son achat. Le foie gras doit être le plus frais possible, il n'en sera que meilleur cuisiné. C'est le premier conseil du chef Thibaut Servas. Il a fait du foie gras et de ses déclinaisons une de ses spécialités culinaires. Donc l'important, c'est d'avoir un foie gras qui est net, pas trop gros, entre on va dire 300 et 500 grammes, pas plus. Une texture souple. Vous voyez, quand on appuie, ça reste. Ça, c'est vraiment qualitatif. Le foie gras doit être brillant et de couleur homogène, sans veines ou sans apparent. C'est ensuite en cuisine que tout se joue. Thibaut commence par mettre une cocotte remplie d'eau sur le feu avant de s'attaquer au dévenage du foie gras. C'est une des étapes les plus délicates de la recette. Thibaut sépare les deux lobes du foie gras avant de les inciser pour les ouvrir. Et on va aller chercher la partie veine, comme ça. Donc cette veine centrale, il faut absolument la retirer. L'opération doit être réalisée sur les deux lobes du foie gras. Thibaut les assaisonne ensuite avec un mélange de sel et de sucre. 3/4 du premier, 1/4 du second. Et moi, je conseille de répartir comme ça le sel un petit peu partout, bien régulier. Et surtout, rester à peu près 10-15 cm de la hauteur pour éviter que le sel s'accumule aux endroits. Il poivre généreusement les lobes avant de leur ajouter un peu d'épices, ici de la fève de tonka. Le tout est ensuite légèrement mouillé de quelques centilitres d'alcool, en l'occurrence de l'armagnac dans la recette de ce chef. L'opération est renouvelée sur les deux faces du foie gras. Thibaut place ensuite ses lobes assaisonnés dans du papier cellophane pour les enrouler. Ensuite, on va étaler pour avoir une forme ronde et un petit peu longue. Comme ça, vous pouvez le faire sur les toasts. C'est super. Et là, on va faire plusieurs tours. On va faire au moins 4 fois la totalité du film. Même 5, vous voyez, 5. Il faut que ça soit bien serré. Le ballotin de foie gras est ensuite serré à chaque extrémité. Le cellophane doit être bien tendu avant d'être scellé grâce à un triple nœud de ficelle de cuisine. Il n'y a plus qu'à plonger. Immerger notre foie dans l'eau. On met un timing pour 250 grammes, 20 minutes. Il faut adapter le temps de cuisson en fonction de la taille de votre foie gras. L'eau doit être frémissante mais pas bouillante, la cuisson se fait à feu doux. Lorsqu'elle est terminée, le foie gras est ensuite refroidi dans de l'eau glacée avant d'aller au réfrigérateur. Il doit y rester plusieurs jours pour révéler l'ensemble de toutes ses saveurs dans l'assiette.
Voilà, et demain soir, nous découvrirons un village entièrement aux couleurs de Noël. Allez, enfin, pour terminer ce journal, la périgourdine Leïla Vellard portera les couleurs de la région Aquitaine ce samedi au Puy du Fou en Vendée, où elle se prépare depuis plusieurs jours pour la grande soirée du concours de Miss France sur TF1. On lui souhaite bien évidemment bonne chance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.